Je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, le responsable du ministère de la compassion des âmes et du centre de prière pluriannuel de Zaroko. Aujourd'hui, nous venons de faire une ouverture du centre de prière de Divo. Nous venons de faire un centre de prière de Divo qui porte encore toujours le même nom, le centre de prière de Divo, le centre de prière de retraite. C'est un centre de prière de retraite. Depuis hier, nous avons reçu Augustin qui nous a fait par la grâce de Dieu des dons au niveau de Zaroko, des dons des habits des enfants. Et en même temps, nous a apporté des dons, des câbles pour l'éclairage. Avec les réglettes, tout ça pour l'éclairage au niveau de notre centre de prière. Et un grand merci à lui. Et en même temps, dit que désormais, vous avez un centre de. Vous avez désormais un centre de prière à Divo. Vous ne serez pas obligé maintenant d'aller forcément chez Zaroko. Tout peut se déjà régler ici. Il y a des couchettes, il y a la restauration. Voilà la restauration. Par la grâce de Dieu, pour ceux même qui veulent même déjà avoir le net ici, nous avons le net, 8 gigas. Donc, vous n'aurez plus de problème au niveau de Divo. Vous descendez à Divo Ville. Nous sommes dans le quartier qu'on appelle Plateau. Juste derrière la Sainte-Pièce se trouve le centre de prière Pluriannuel. Voilà, donc déjà à partir de ici, c'est un centre de retraite. Où seront équipés en bibliothèque, où il y a des ouvrages. Pour ceux qui veulent se retirer, pour chercher la face de Dieu, et tout ça, un encadrement. À Divo, déjà, nous avons déjà l'ouverture des trucs. Donc tous les samedis, nous avons des cultes ici. Tous les samedis, à partir du week-end, à partir du vendredi, nous avons des cultes ici. Des cultes de délivrance et de restauration. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Vous dites désormais sauvé. Voici Augustin qui est arrivé de la France et qui n'est pas venu les bras ballants. Bon, c'est pour vous dire un mot de nous soutenir. Nous avons besoin des gens comme lui, comme ça, pour nous apporter une assistance. Nous avons décidé, sous le mandat de Dieu, d'être à l'intérieur. Par contre, d'autres personnes sont à Abidjan. Mais pour nous, nous combattons un mal, qui est le mal cruel de l'Afrique, qui est la sorcellerie. Non seulement ça, mais nous évangélisons les gens. Ben pour nous, il faut que l'Afrique émerge à partir de la Côte d'Ivoire, qui est notre nation. Donc, il faut évangéliser la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin des moyens, tels que des voitures, tels que certaines choses, la sonorisation, tels que des appareils, pour être encore plus efficace encore dans le travail. Donc, je fais l'appel à tous les gens de la diaspora. Aidez-nous pour que nous soyons plus efficaces. Aidez-nous pour être très efficaces. Lui, quand on se rencontrait d'abord le Face, le net, Skype, ça n'a pas été du tout facile. Non seulement ça, parce qu'à cause de mon temps, je suis tellement pris, lui-même il est venu, il a vu un peu ça, je suis tellement pris, mais j'aimais beaucoup sa persévérance. Donc, vraiment sa persévérance, il a décidé de venir, il allait jusqu'au bout, il est même venu à Zaroko, il est venu à Divo à 1h du matin. Donc aidez-nous pour que nous soyons encore plus efficaces. Voilà, donc plus efficaces. Ce qui serait plus intéressant pour vous, c'est de vous rendre ici. Parce que c'est vrai qu'à distance, nous pouvons même prier, mais à distance c'est un peu difficile par moment, parce que... ici, il y a des gens, il faut écouter des gens, tout ça. On pouvait favoriser ceux qui sont déjà sur la piste ici. Donc, pour nous, j'ai vraiment pour vous déplacer, pour qu'on puisse vraiment vous aider. Voilà, donc voici un peu. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Bon, moi, je veux juste attirer l'attention des gens de la diaspora pour dire qu'il faudrait vraiment soutenir le grand-père pour l'œuvre qu'il essaie de faire pour. Aider parce que c'est un aide qu'il apporte à la jeunesse qui sont victimes de la sorcellerie, victimes de beaucoup de choses spirituelles. Donc, si parmi vous, à Paris, dans toute l'Europe, qui peuvent le soutenir moralement, physiquement et matériellement, qu'ils le fassent parce que c'est vraiment important pour son ministère qu'il essaie de fonder ici en Côte d'Ivoire pour aider le. Pour combattre plutôt la sorcellerie en Côte d'Ivoire et peut-être même partout dans le monde. Voilà. Donc, j'attire votre attention, je lance un appel pour que chacun de nous peut faire ce que j'essaie de faire, apporter un petit soutien, et que ce soit pas forcément de l'argent, mais de l'argent, ce sera le bienvenu, mais avec du matériel, de trucs qui peuvent vraiment l'aider dans tout ce qu'il a cité et tout ça. Donc j'attire vraiment votre attention
de venir apporter votre soutien. Parce que le fait, les gens aussi, eux, ils pensent que comme c'est le net, c'est les arnaques. Toi-même, tu as vu depuis le net, tu as vu que c'est vrai. Donc, voilà. Il faut expliquer ça aux gens. Et les gens souvent pensent que c'est de l'arnaque, c'est des montages. Voilà. Mais toi-même, tu as vécu les procès hier. Voilà, en direct. Souvent, ah, non, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'un sorcier? Non, c'est pas des montages. Toi, tu as vécu ça hier. De toute façon, il y a l'avion qui est là. Vous prenez l'avion, vous venez, vous descendez. En Côte d'Ivoire, vous prenez, vous venez à Divo, après vous allez à Zarapo, vous allez vivre ce que j'ai vécu, parce que, comme il vient de le dire, c'est pas des montages, c'est pas des trucs qui sont choses, c'est des choses qui sont réelles, et vraiment, c'est le mal de l'Afrique. Ouais. Donc, les gars, l'appel est lancé, tout le monde est amené à pouvoir soutenir le grand frère, pour faire son œuvre qu'il a commencé, et son œuvre, franchement, moi, je le soutiens à 100% dans tout ce qu'il fait. Merci. Ok. Merci. J'ai encore, pour finir, un mot de merci, parce que nous ne faisons pas de maltraitance d'enfants, comme les gens souvent voient sur le net, sur le YouTube, les aveux des enfants. Ils pensent que souvent, c'est des maltraitances. Non. La preuve, c'est qu'il a envoyé les vêtements. Et nous avons l'habitude d'aider les enfants. J'ai été celui-là qui a scolarisé cette année-là 30 élèves à Zaroko. J'étais celui-là qui a organisé Arbre de Noël où j'ai donné des jouets à 500 enfants de Zaroko. Ce n'est pas des petits jouets, à 500 enfants de Bata. J'organise chaque fois, et cette année même, j'ai organisé Barretoscope, version chrétienne, pour dire au fait, nous ne faisons pas de maltraitance d'enfants, mais il y a ce qu'on appelle, il y a la réalité africaine. Chez nous, la sorcellerie existe. Chez vous, vous avez éradiqué la sorcellerie, je ne suis pas des blancs. Vous étiez les premiers à combattre la sorcellerie au Moyen-Âge. Et ça a porté pour nous, nos problèmes, c'est la sorcellerie. Mais nous ne réglons pas ça comme les autres le règlent. Nous délivrons les sorciers. Pour nous, c'est une maladie. Il faut débarrasser l'individu de la sorcellerie. Et gloire à Dieu, parce que pour nous, nous entretenons même ces sorciers. Nous les prenons en charge, nous les aidons, tout ça. Dans d'autres contrées, on les brûle, on les tue. Comme vous-même, les blancs, vous les avez tués. Chez nous, l'homme a droit à la vie. Parce que le combat que nous menons, toutes les organisations au monde parlent de droits de l'homme. Nous respectons les droits de l'homme. L'homme a droit à la vie. Il faut aider tout le monde d'ailleurs. Et je vous dis shalom, que Dieu bénisse.